Hey yo tout le monde, c'est Dahlia, bienvenue dans ce 22e épisode du Gunterlog sur Pokémon Emerald. La dernière fois, on s'était quitté juste à l'arrivée de Nenukri et on a soigné nos Pokémon. Nos Pokémon sont très bien soignés, voilà. Comme on peut le voir, c'est génial. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller directement, au Mont Memoria. On aura une nouvelle zone en plus. Qui peut être cool. Ah! Voilà. Je savais que j'allais me faire guaquer. Je savais. Je savais! Salut, Dodu, Dodu. Abra, ça bon, ça passe. Alors, Abra n'est pas résistant sur le physique. Pas du tout. Il a la trouille. Donc, on veut lui faire un feu follet, histoire que ça le tue, en fait. Voilà, il aura pas le temps. Hein. Bim. Ça c'est fait. Bon, le vélo c'est pas pour moi, pas du tout. Hein, donc on va le retirer. Et on va y aller tranquillement en courant. Oh, Magikarp, hein. Gros Pokémon. Hein. Très gros Pokémon. Notre eau fraîche, hein. Allez go. L'eau teintée. Pas une, ce n'est pas. Ah si. Ah direct. Chenal 122. Craquenois. On n'a pas eu Vibranymphe à un moment. Non, je crois pas. Bon. Je sais pas si je le garde. On verra ça plus tard. Oh, je le capture. Raffle go et on verra ça plus tard. Et on verra si on le garde ou pas. Craque-nous un mal. Ok. Is ok. Allez, on draw. On va draw. Go, essaie. Ah, c'est Plout Floyd. J'ai à toi. Tu peux choisir le surnom de Craquenois. Allez. Qui deviendra peut-être un Libégon. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne le sait. Même pas moi. Même pas vous. Eh oui. Casse-noix. Ok, alors je sais pas si ça entrera tout. Je pense pas. Parce que le tiret. Ah si. Ah si ouais. Ça entre. Putain, il a tout calculé quoi. Trop fort. GG. Voilà, casse-noix est dans la boîte 1. Il y avait quoi d'autre? Oh, Ludicolo. Ah ça c'était stylé quand même. Hein. Un petit peu stylé. Oh, mais please. Niveau 27. Ça va. Et sinon, donc, on va avoir aussi la zone du Mont Memoria en elle-même. Donc, soit là, là, ou dehors. Et bien, ce sera ici. Et ça va être un... Sérieux? On le relâche. On le relâche, lui. Donc lui c'est sûr, je le relâche, je vais le capturer. Il a crash. Hein. Ok. Ce Pokémon est habituellement dans cette zone. Hein. C'est pour ça que je suis assez étonné. Voilà. Polychon, ok. Au calme. Le Polychon de Tinky. Hein, pour certains. Donc on va repasser à 8 points. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que ce Pokémon je le relâche, c'est sûr. Donc je l'ai appelé Shiny. Je vais l'appeler Shiny. Parce qu'il est pas Shiny. Voilà. Hop. Shiny, lui, sera relâché.
Allez, on y va au vélo là, un tug. Oh non mais ce jeu, les CT inutiles, sérieux. On n'est pas tombé sur de légendaire. C'était quoi? Une roche royale. Ah ça peut être cool ça quand même. On n'est pas tombé je crois sur de légendaire encore. En Pokémon de zone. Sympa. Ouais ça par contre je crois que je vais le jeter parce que... Pas top. La roche royale on peut la mettre, ça peut apeurer. Ça c'est cool. On peut la donner à un Pokémon. Bah lui, il a rien. Allez. Allez. On va laisser peu. Eh, arrête de prendre les murs. Une rune sort, c'est nul. Un encens mer, ok. C'est aussi nul. Donc c'est un petit peu la nullité. On va peut-être pas mettre lui en première position. Pff, lui il galère à XP. Hein. Allez. Ah cette musique. Ah la musique du Mont Memoria est tellement stylée. Allez, on y va. Pas trop perdre de temps quand même. Mais maintenant, nous, tu vas voir, devoir nous affronter, nous. La redoutable Team Aqua. Bien sûr. Bien sûr. Tant que t'as pas Rayquaza, ça me va. Ouh, carnage. Il est stylé. Il est stylé. Mais est-ce qu'il va kiffer le mégaphone? Stabé. Eh mais c'est quoi cette regard noir là? Oh, coup critique. Bon lui il a pas de potion, coup de corne, ok, ça devrait le... Oh what? Oh la cour... Oh le coup de corne. Oh il déconne, zéro. Ah l'aspico qui passe niveau 28, très très bien. Allez, merci d'être tous avec moi, c'est génial. Heureusement que j'ai du soutien. Déconne zéro. Le coup de corne. Il fait un peu gras dans cette génération, le roux carnage. Non, la team magma est arrivée avant nous. On ne peut toujours pas arriver après eux. Ouais. Oh, moi je le trouve stylé. Lilia. Ok, ça devrait le faire. Mégaphone. Ok. Force cosmique. Bon. D'accord. On va faire vive attaque. Hein. J'ai pas trop envie de tenter une attaque flamèche. Oh, allez le surf. Allez le surf. Oh là là là. Ouais. J'ai une bonne girl dans le chat. Je veux un D, je veux un A, un L, un I, un A, Talia. Bon, vive attaque, hein, parce que là, on va taper vraiment du rien du tout. Dans ce pli, voilà. Hein, histoire de plus taper avec les attaques feu. Surf, néanmoins, fera plus fort. Mais j'ai envie de le conserver. Autant, autant vider nos vives attaques, là. Voilà. Bordel. Ok. Un bon combat double des familles. Allez. Les bons combats doubles. Eh, hey, je me rappelle de toi. C'était au Mont Chimney. Tu ne fais qu'une partie. Tu ne fais partie d'aucune team. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je sais.
te les faire partie de la team Magma, mais ils n'ont pas voulu de toi. Mais ne pense pas non plus pouvoir entrer dans la team Aqua. Oulala. T'as cru quoi, moi? Rhinocorn et Aquali. Ok. Alors, Rhinocorn, ça devrait se passer bien. Aquali, un peu moins bien quand même. Hein. Intimidation de Aquali, bien sûr. Ouais, c'est vrai, on savait qu'il avait déjà ça. Bon. Voilà. Ténacité, ok, c'est pas grave. Fenard Surf. Super efficace sur Rhinocorn. Super efficace sur Aquali. Ok, très très bien. Très bon pif. Très bon pif. Le pif. Rhinocorn au tapis. Aquali, non. Oula, il est vachement défensif. Hein. Ah, il y a d'autres Pokémon. Charmillon. Alors Charmillon, lui, c'était le Pokémon de merde, là. Et il a résisté au feu. Bon, vous savez quoi, on va pas se casser les clés, oui. On va spam surf. Hein. Super efficace sur surf, donc il doit être type feu. Ou plante. Non, pas plante. Non, il doit être feu. Ou roche. Ouais. C'est les deux possibilités. Allez, il est swag 35. Lastico, Madame Dahlia, toujours pas de niveau up. Non. Conconfort, Conconfort. Très bon Pokémon. Très très bon Pokémon. Bravo. Je suis content de vous. Bon, du coup, on va essayer d'économiser. On va faire des vagues là. Et hop, ça. Roue de feu. Fait séisme. Non. Ok, c'est pas efficace. Du coup, je vais économiser les PP de Il est Swag en faisant yoga à l'infini, en fait. Puissance, ok, on s'en fout. Éclatroc. Ok. On va faire comme ça. Ça va être un peu plus long, mais tant pis. Mais, étant donné qu'on a plus... L'absentéisme. Ah, la loose. Ah, la loose. La loose. Ce Pokémon. Ouh, attention, hein. Double dard. Ouh là là. Ah non. Le poison. Oh merde. Bon, du coup, on va se soigner. Petit antidote. Il doit en avoir un quelque part, voilà. Bon, il y en a 22. Easy. Et on termine par un éclatroc. Bisous. Voilà, ça c'est fait. Ah, si tu tiens tant que ça à faire partie de la team, on va y réfléchir. C'est sûr, après vous avoir explosé le boule. Max de la team Magma a été plus rapide que nous. Mais nous avons aussi ce que nous voulions. L'orbe rouge du Mont Memoria. Il est enfin en notre possession. Nous allons pouvoir maintenant accomplir notre objectif ultime. Ok, à tous les membres, repli immédiat. Oh non, c'est pas possible. Après l'orbe bleue, l'orbe rouge a également été dérobée. Il ne faut jamais séparer l'orbe bleue de l'orbe rouge. Ils forment un tout. Qu'est-ce que ces hommes veulent faire avec les deux orbes? Ah oui, c'est bien la team Magma qui est d'abord venue voler l'orbe bleue. Eh bien, dans leur hâte, ils ont oublié ça derrière eux. Je n'arrive pas à savoir à quoi ça peut servir. Je voudrais que tu le prennes, ça pourrait être utile. Le saut magma. Eh oui, le saut magma va pouvoir nous être utile. Puisque du coup, je crois que je vais pouvoir apprendre vol déjà. Parce que je crois que je l'ai pas fait depuis... voilà. J'ai pas appris vol. Bon, à qui apprendre vol aussi? Peut-être à l'Astico. Oui, on va l'apprendre à l'Astico. On va enlever acide. Voilà. Et on va pouvoir s'envoler. Et ça, c'est stylé.
Astico, vas-y, fais vol. Alors, du coup, là, j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Il me semble que, justement, je peux aller donc faire directement le repère magma. Et donc, la team aqua, ça sera plus tard. Ok. Faisons ça. Parce que là, à poivre sel, je n'aurai rien. Je pense pas. On peut aller faire un tour à poivre sel, mais je pense pas. On va faire un tour à poivre sel vite fait, voir si l'événement avec le sous-marin est déverrouillé, mais non, pas du tout. Donc il faut aller à Vermilava. Il faut donc aller à Vermilava, ce que je vais m'empresser de faire. Hop. C'est parti. On va aller se faire la team Maqua. Magma, pas quoi. Ah là là. Allez, go. Le téléphérique. Hop, c'est parti. Ah, je suis pas allé voir Krakenoa. Ah bah tant pis. Ce sera plus tard. Ce sera dans un prochain épisode. Notez-le bien dans votre tête. Krakenoa, on ira voir ça dans un prochain épisode. Ah, il y a des Pokémon dans cette zone aussi. Alors, nouvelle zone, du coup. Voilà. Serait-ce un Raikou? Ah! Ah, de mieux en mieux. Ah, ah, vraiment bien. Très bon Pokémon. Non, il n'y aura pas de raffle. Ah, je n'ai pas force. Surprise, je ne savais pas. Alors en prenant en force un Pokémon assez puissant physiquement, on en a deux possibilités. On a soit ces deux-là, enfin ces deux-là en fait. Lumière classe pas top. Hein. Alors, on va lui apprendre force à lui. Allez go. Oui. C'est toi. Bon, du coup, étant donné qu'on a fait cette zone et que bon, les Pokémon sauvages, vous savez que ça m'ennuie un petit peu. Super au pouce. Hey, je suis très drôle. Notre leader nous a dit de creuser dans le mont Chimney. Alors, on a creusé. Et pendant qu'on était en train de creuser, on est tombé sur quelque chose de vraiment incroyable. Tu veux savoir ce que c'est? Waouh! Je ne te le dirai que si tu arrives à me battre. Ah, intéressant. Je me demande ce que c'est. Doudrio. Ça fait peur. Il est swag, go! Il est swag. Séisme! Non! Il est type vol! Très bien, je ne me ferai pas avoir par cette patience. Oui, oui, concentre-toi. Envoie la sauce. Bah ouais, mais t'en vois rien du tout. Eh oui, allez, prends ton surf. Hein. Voilà, là je peux te tuer. Même ma chouille, je pense que c'est bon. Bisous. La 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 la.
Non, pas, c'est pas par... Ah si. Ah, c'est par là? Ok. Je me rappelle plus de trop, là. J'avoue. Bon, le vélo, tu me saoules. Voilà. Ludicolo. Donc lui, on l'a croisé dans la nature. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il fait. Dans le pif, on va séisme. Ok, c'est pas super efficace. Ça fait mal quand même. Métronome. Ok. Vous savez que j'aime pas Métronome. Hein. Ceux qui suivent le speedrun de cette chaîne. Métronome, généralement, c'est jamais bon signe. Ouais, on te squeeze. Hein. Ouais, aussi. Hein. Ah, dilemme. On va tester là. Hein. Par où là? Ah, c'est pour avoir des objets en plus. Ça sent pas le guac, ça? Est-ce que c'est là? C'est là? Putain, je me rappelle tellement pas. Ça pue le guac, ça. Hein. Bon, allons-y. Allons-y, allons-o. But ok, très très bien, très très bon Pokémon randomisé. Moi je fouille. Merde, c'est super efficace. Et Cube, non, il va m'infliger 5 dégâts. Putain, c'est vrai en plus. J'ai dit au pif. On va faire ma chouille. Ah, attention, il fait yoga, il augmente son attaque pour attaquer moins fort avec écume. Oui, sa défense diminue. Alors, hein? Bon, Madame Dahlia, c'est quand que tu level up et que t'évolues? Ah, une pierre lune supplémentaire. Ok, au cas où. Bon, allez, le vélo. J'y crois à mort. Non, en fait, j'y crois pas du tout. Ouais, bon, non, j'y crois pas. Mais c'est génial, hein. Ploutefeu, il croit qu'il va m'apprendre le jeu. Mais je sais que l'attaque ténèbres, c'est spécial. Eh. Tu vas pas apprendre... Non, on va pas aller par là. C'est un piège. Tu vas pas apprendre au speedrunner le jeu, quand même. C'est quoi, ça? Ah, de la lave. Ok. Easy. Eh bien, écoutez, on va se faire ce dresseur. Et cet épisode va s'arrêter après. Pour faire des épisodes un peu plus courts que d'habitude, parce que j'avoue que 45 minutes c'est un peu trop long, donc voilà. On va faire, limite, on fait plus d'épisodes que prévu, hein, c'est pas grave pendant ce live. Moi je suis chaud. Mimito Surf, pif, on l'a déjà croisé, mais quand c'était pas randomisé, donc je ne sais pas. Balayage, ok, machouille. Et bim. Ok. Ouais, non, on peut aller continuer. Allez. C'est où? C'est où, pas un objet là-bas ou... Nous avons rejoint la team pour aider notre leader à concrétiser sa vision.
Je me moque que tu arpeignes ou non à la team Aqua, je ne laisserai personne infiltrer dans nos plans. Vas-y, vas-y, interférer, pas infiltrer, interférer, bien sûr. Pourquoi tu sais pas lire? Pourquoi tu sais pas lire? Ça va. Ah, Red Jace, oui, très bien. Très très bien. Je préconise le séisme. Et voilà, la prescription était bonne. Oh là là. Bisous. Oh non, je n'ai rien pu faire. Ah bah, le séisme. Séisme! Est-ce que c'est par là? Ah, une protéine. Oh oui, protéine, on veut. Protéine, on veut. Protéine, on veut. Donc, toi, déjà. Non. Non, non, non. Ça ne sert à rien. Voilà. Pars-toi. Voilà. Donc, on a récupéré la protéine. Et la protéine, cette fois-ci, on va l'utiliser au lieu de la vendre. Et là, c'est cool. Est-ce que c'est par ici? Eh bien, écoutez, c'est sur cette question et ce bruitement de paix qu'on va se laisser dans cet épisode numéro 22, déjà. Et donc, dans la suite, on termine ce repère magma. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, Twitch, tout ça, Twitter aussi. Laissez un like sur la vidéo et lâchez un petit commentaire. Je vous aime, des bisous. Bye.